avais dit que tu viendrais nous aider. On peut encore passer ce chenapan. Approche. Allez, viens, petit chat, viens. Vite. Nils. 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 Le renard va voir de quoi on est capable. Beaucoup s'en sont vantés. Mais Smir est très malin. Il y a des années, il a même réussi à attraper la grosse dinde de la ferme. Et il est toujours vivant? On n'a jamais donné de nom à un renard, mais lui, c'est différent. Smir nous en a vraiment fait voir. Il est très dangereux. Smir. Bientôt, tout le monde parlera de celui qui l'aura vaincu. Oui. Mais ce ne sera pas toi, parce que tu dois livrer le lait. Je pourrai le faire plus tard, pour une fois. Mais plus tard, le lait ne sera plus frais. Je serai le seul du village à pas y aller. Nils, si tu avais terminé de livrer le lait, je t'aurais emmené avec moi. Mais tu as préféré jouer avec le chat. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a que du vent dans ta tête. Tu ne seras jamais un bon fermier. Je peux attraper le renard. J'en suis sûr. Azla ? Oui, maman ? Viens me voir. Tu veux bien apporter ce flacon à la ferme des Svensson ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est de la terre glaise séchée, réduite en poudre. Monsieur Svensson s'est cogné à la tête ce matin. J'ai entendu dire qu'il avait une belle bosse. Ça lui fera du bien. Salut. Regardez qui passe juste devant nous avec son lait. C'est le petit Nils de la ferme des Holgersson. Retire immédiatement ton pied. Sinon, tu feras quoi? Hein? Tu viendras m'en coller une, peut-être? Tu es dans notre rue. Si tu veux la traverser, faut que tu payes. Alors, file-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu as, le petit? T'es devenu sourd? Fais gaffe, je supporte pas qu'on m'appelle le petit. Il m'a cassé l'orteil, restez pas planté là. Attrapez-moi cet idiot, dépêchez-vous. Allez, plus vite. Tu peux toujours courir, de toute façon. On t'attrapera, oui. Une portion. Nils? C'est toi, Azla? Où courais-tu aussi vite? Après le renard? Ouais. Je voulais attraper ces gars. Arrête! On dirait qu'Alfred t'aime bien lui aussi. Lui aussi? On a de la chance qu'il soit entier. Tu as dit lui aussi? Il y a de l'acide là-dedans. C'est très irritant. Et si on en respire, on a des risques d'avoir... Ça voulait dire quoi exactement? Je... Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous faites là? T'étais caché ici, le petit. Et maintenant, on va te régler ton compte. Tu l'oublieras pas de sitôt. Trois contre un, c'est de la ne lâcheté. Ne te mêle pas de ça, Azla. C'est une histoire entre hommes. Même si lui, c'est plutôt un abo dans son genre. Arrêtez! Laissez-nous tranquilles ou je vous envoie Alfred. Alfred? Ouh, c'est un vrai tueur, ton chien. Maintenant, à ton tour, le nain. Il y a de l'acide là-dedans, alors restez où vous êtes. Nils. On verra après, Azla.
Si vous approchez, je le jette. Et vous avez pas intérêt à en respirer. Au secours! J'ai peur! Bande de lâches! J'en étais sûre! Et toi? Je finirai par t'avoir un jour, le petit. Fais-moi confiance. C'est ça! Je suis mort de peur! Ah! L'acide! Oh! On a bien failli s'empoisonner. Oui. Tu m'as sauvé. Bon sang, Alfred! Arrête, Alfred! Non! Touchez pas à ça! Ah oui, rêve toujours. Ah oui, rêve toujours. Le petit a eu son compte. Maintenant, venez, on va s'occuper du renard. Mince! N'oublie pas d'aller nourrir les poules. Génial. C'est toujours moi qui nourris ces poules idiotes. Pendant que les autres vont chasser le renard. En échange, tu pourras venir chez Tantida. Chez Tantida? Je parie qu'elle préparera 5 sortes de harengs. Et du jambon et des boules à la cannelle. Vous avez eu le renard? Tiens, chérie. J'ai croisé le vieux Olson au village. Il m'a dit que tu n'avais pas livré le lait. Quoi? Mais je croyais... Les pots à lait sont tombés. Quoi, tous? J'avais rien fait, mais cet idiot de Lars est arrivé et... Oui, bien sûr. C'est toujours la faute des autres. Tu sais, Nils, je commence à en avoir assez de tes excuses. On ne sait pas comment faire pour nourrir les animaux. Et toi... Je vais arranger ça. Je vous le jure. Tu as intérêt. Tu creuseras la terre pour le potager demain. Et tu répareras le grillage. Demain? Ça va être difficile, on sera tous chez Tantida. Ta mère et moi, on ira chez Ida. Toi, tu restes ici. Heureusement que j'ai encore une bouteille pour Monsieur Svensson. Comment as-tu pu laisser tomber cette petite bouteille? C'était pas la faute d'Aza. C'est Nils qui l'a fait tomber. Peste. Qu'est-ce qui te prend de traîner avec ce bon à rien? Je ne fais rien de mal. Non, mais il y a plein d'autres garçons très gentils dans ta classe qui te correspondent beaucoup mieux que ce Nils Holgersson. Je suis d'accord. Tiens, par exemple, qu'est-ce que tu penses de Lars Edberg? Lars est un vaurien. Non, mais écoutez un peu comment s'exprime notre fille. Tu parles et tu jures déjà comme une femme de fermier. Nils parle et jure comme tout le monde. Maintenant, écoute ce que je vais te dire, ma petite. Il n'est pas bon pour toi. Est-ce que c'est bien clair? On s'en va. Je t'ai noté tout ce qui te reste encore à faire. Je sais. Préparer la terre et réparer le grillage. Et nourrir les bêtes, surtout. Pourquoi c'est pas le vieux Svensson qui le fait? Il est habitué, lui. Non, aujourd'hui, ce sera toi. Et n'oublie pas, Smir est dans le coin, donc attention aux oies, compris? Ouais, ouais, je ferai attention aux oies. Nils, nous sommes fichus sans les animaux, tu le sais. Pourquoi tu mets du pain sucré pour le lutin de la maison? Ta mère croit au lutin, laisse-la. Pas de bêtises, Nils. Est-ce que je peux au moins utiliser le tracteur? Non, interdit. Tu sais bien que tu peux le conduire uniquement quand je suis là. Hé, mais c'est mon pain sucré. Aza? Oh. Tu as l'air occupée, ça va? Je ne te dérange pas? Non. Non, pas du tout.
J'allais à la pêche. Je peux venir? Ouais, viens. Je dois nourrir les oies avant d'y aller. Ça te prend toute la journée? Je m'occupe de la ferme, des animaux, du jardin, du reste. Et je fais tout ça tout seul. Mais c'est très facile pour moi, tu sais. Je ne pourrai plus venir te voir. Ton père dit que je suis un bon à rien. Mais alors, pourquoi t'es là? Je suis venue comme ça. Regarde. Elle ressemble à... À un cœur? Tiens, garde-la. Merci. Sapette. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Nils, arrête! C'est qu'un oiseau stupide. Et alors, ce n'est pas une raison pour l'embêter. Mais cet animal m'énerve. Nils Holgersson, tu es vraiment un idiot quelquefois. Ah ouais? Tu vois, finalement, tes parents ont raison. Je dois pas être assez bon pour une fille de bonne famille gâtée comme toi. Parce que toi, tu trouves que je suis une fille gâtée. C'est bien ce que j'ai dit, oui. Quand je pense que j'ai failli t'embrasser. On part, Alfred, viens. Tu sais, Nils Holgersson, je ne veux plus jamais, jamais te revoir. Viens. Aza. Plus jamais. Aza, mais non, attends. Le renard. Non, pas les oies. Ça, je vais bien labourer le potager. C'est bon. Je t'ai eu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est toi le lutin de la maison? Tu en as de drôles de questions. Je suis petit, je porte un drôle de costume, et je mange le pain sucré que ta mère a préparé pour moi et déposé avant de partir. Ce serait étonnant que je sois le laitier. Comme ça, t'existes vraiment? Oui.
Maintenant qu'on a réglé ce détail, tu veux bien me libérer, espèce de voyou? Comment tu m'as appelé? Tu n'es qu'un voyou. Un voyou et un voleur de pain. T'es mon prisonnier. Je te conseille d'être plus gentil avec moi, le nain. Le nain? Je ne suis pas un nain, je suis un lutin de maison. Ouvre les yeux au lieu de dire des idioties, espèce de pique, mais oh non, arrête! Je te donne une pièce en argent si tu me libères, en véritable argent. Et après? T'aurais pas une pièce en or? En vrai or? Bon, si tu veux, j'ai aussi une pièce d'or. Tu l'auras à condition que tu me libères. Je croyais que les lutins étaient des magiciens. Hocus pocus, abracadabra, etc. Je veux aussi que tu me donnes l'oie que le renard a volée. Oh, maintenant, ça suffit, tu as dépassé les bornes. Nils Holgersson. Grand bras, grandes jambes. Et maintenant, tout petit, tu deviendras. Passé. C'est moi. Je suis minuscule. Je suis désolé. Comme s'il pouvait être désolé. Il nous a aspergés avec de l'eau juste pour rire. Et il nous a presque écrasés avec le tracteur. Hé, mais je vous comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'on est fâchés après toi? Non, je comprends ce que vous dites. Vous comprenez? Et toi, tu comprends? Oui, je le comprends même très bien. Il parle très clairement. Non, je voulais te dire... Vous savez où se trouve le lutin? Oui, bien sûr. Alors, il est où? Je sais, mais je te le dirai pas. Je le trouverai tout seul si vous ne me le dites pas. Ah oui, alors débrouille-toi. Attendez un peu que j'ai retrouvé ma taille. Vous regretterez ce que vous me faites. On risque d'attendre encore très très longtemps. Nils, tu es là? C'était stupide de nous disputer tout à l'heure. Et ce n'est pas vrai que je ne veux plus jamais te revoir. Mais t'as été vraiment très méchant. Oh non. Tu ne veux pas qu'on fasse la paix? Nils? Tu es là-dedans? Je sens ton odeur. Va-t'en! On part, Alfred. Viens, Nils n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu as? Viens, Alfred! Lutin? Lutin, tu m'entends? Lutin! Peut-être que je devrais annuler le sort que je lui ai jeté. Oh, laisse-le plutôt rester petit. Je n'en sais rien, c'est contre les règles. Je ne dois pas transformer des humains. Je vais avoir de gros ennuis avec le CL. Rends-moi ma taille, s'il te plaît. Le conseil des lutins. Avec eux, il ne faut pas plaisanter. Ah, mais il recommencera très rapidement à mentir, à torturer des animaux et à maltraiter d'autres êtres vivants. Oh, peut-être qu'il changera. Non. Les humains ne changent pas, c'est impossible. Non. Jamais. Là où le soleil ne se couche jamais, où il fait bon et chaud. Il y
Viens avec nous, Loi Blanche. L'aventure nous appelle. C'est vrai que je suis tout blanc. Et je suis une oie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je viens avec vous. Viens voler non avec nous. Oui, je vais le faire. Je dois juste... juste m'échauffer encore un peu, mais ça va aller très vite. Je ferais mieux d'annuler le sort que j'ai jeté sur Nils Holgersson. Attendez, je vais y arriver. Un peu de patience. Je décolle. Martin, stop. Attends, tu es devenu fou. L'aventure, attendez. Reste ici. Petite veste, petit pantalon et... Oh mince, il est trop tard. Ta magie n'agit pas à une telle distance. Oui, c'est génial, j'y arrive. Bon sang qu'on est haut. Je vole, je sais voler. Si tu fermais ton bec et que tu faisais demi-tour. Ah, non, je veux y aller, c'est impossible. Il arrive vraiment à voler avec nous. Loi domestique. Il a un gnome assis sur lui. Je veux voler avec vous. Tu n'y arriveras pas, on parie. Martin, l'écoute pas, il se moque de toi. Essaye de toujours voler régulièrement, sinon tu te fatigueras plus vite. Me fatiguer? Martin, fais demi-tour. Excellente idée! Sortez les volets d'atterrissage! Visez bien la piste! Diminuez votre vitesse! Tu dois atterrir! Ouais, je sais! Mais comment? Je l'ai jamais fait de ma vie! Martin! Regarde en bas! Attention! Dégagez la piste devant! Attention! Regarde ces toits domestiques, elle est ridicule. Elle ne sait même pas atterrir. Arrêtez de jacasser et finissez votre repas. Martin, lève-toi. C'était trop bien. Laissez-moi ici. Continuez le voyage sans moi. Tu ne dois pas abandonner. Mange quelque chose. Cet imbécile n'arrivera jamais jusqu'en Laponie. C'est bien, Martin. Oui, on va pouvoir rentrer chez nous. Oh là là. Reste où tu vas comme ça. C'est trop bon. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Ixy. Enchanté. Il s'est envolé avec Loi. Quand le conseil des lutins apprendra ça, ils enverront un de leurs bureaucrates pour contrôler tout ce que je fais. Ah, tu dois les retrouver et ramener Nils chez lui. Un simple, s'il te plaît, Bataki, me ferait plaisir après 300 ans de bons et loyaux services. S'il te plaît. Tu vois? Vous vous êtes bien défendu, étranger. Je m'appelle Aka de Kebnekaise, et voici mes fidèles compagnons de voyage. Et vous, qui êtes-vous, si vous me permettez? Martin, de la ferme Holgersson. Et moi, je suis Nils Holgersson. Très bien. Tu ressembles à un humain. Oui, c'est parce que je suis un humain. Martin, vite! Je ne tolère aucun humain près de nous. Même pas quand ils sont aussi petits que toi. Vous ne pouvez plus voler avec nous tous les deux, je suis désolée. Alors c'est comme ça, je comprends. C'est très clair. Vous n'aimez pas les humains ni une oie domestique? Non, mais pour qui vous vous prenez?
Bataki! Eh bien, le garçon ne fait rien. Il n'écoute pas ses parents. Il ennuie les animaux. Un jour, il m'a eu avec une pierre, ce sale petit vaurien. Mais le lutin devra annuler le sort qu'il lui a jeté. Le problème, c'est qu'il ne peut rien faire tant que le garçon n'est pas devenu meilleur. Je ne me fais aucune illusion. Bataki, je sens quelque chose de bon chez lui. Je sais que tu es un excellent professeur, Aka. Mais tes méthodes ne fonctionneront jamais sur Nils Holgersson. Il n'y a rien de bon chez cet être humain. Je pense qu'il changera s'il vole avec nous. Il deviendra un bon garçon, j'en suis certaine. Nils? Je suis prêt à parier que personne n'arrivera à le faire changer, même pas toi. Ce garçon est un cas désespéré, selon moi. Tu perdras ton pari. Tu veux parier? Venant de toi, c'est nouveau. Top là. Je tiens le pari. On était tellement bien chez Tantida. La prochaine fois, on emmènera Nils avec nous. C'est bizarre, il n'y a pas de lumière. Les oies? Nils. Rien. Il est parti. Nils? Nils! J'ai pris ma décision. Vous volerez avec nous. Comment, c'est vrai? Vous nous prenez avec vous? Je ne dois plus rentrer à la ferme? Mais il doit me ramener à la maison. Le lutin doit annuler le sort qu'il m'a jeté. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Si je m'excuse auprès du lutin, il me rendra ma taille initiale. Il ne te rendra ta taille que lorsque tu seras devenu un bon garçon. Nous partirons demain vers le nord, quand le soleil sera au-dessus des arbres. Essaie un peu de rentrer chez toi, mon ami. Le renard t'attrapera. Et Aka aura perdu son pari. Alors? Laisse-moi tranquille. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Tu n'auras que des ennuis. Et puis, tu as entendu, le lutin ne te rendra pas ta taille tout de suite. Un bon garçon? Mais qu'est-ce qu'elle en sait, c'est Attention. Toi? Attention! Préparez-vous! Nous allons partir! Je veux partir avec eux, mais tu es mon ami. Je ne peux pas te laisser tout seul ici. Ah oui, si t'étais vraiment mon ami, tu me ramènerais à la ferme tout de suite. Allez, va-t'en. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Martin, attends! Je viens en fin de compte. Nils! Tu viens avec moi? En route vers le nord, suivons le soleil jusqu'aux hautes montagnes en Laponie. Oui! Nous allons descendre. Déployez les ailes d'atterrissage. Sortez les pattes. Ralentissez lentement. C'est bon. Je suis presque. Pas de sortie. Maintenant, vol en piqué jusqu'à 30 mètres. On doit descendre. T'entends? Il faut ralentir maintenant. C'est ce que j'essaie de faire. Tu voles comme un canard. Et maintenant, descendez à 15 mètres. 15 mètres. Vas-y, Martha. Tu vas y arriver. Continue. Enfin, j'espère. Est-ce que je suis à 15 mètres? Je suis à combien de mètres, là? Maintenant, atterrissage! Atterris! Il faut te poser! Évite le rocher! Mais qu'est-ce qu'il fait? Martin, remonte, on va s'écraser, sinon Martin, non! Si tu sais pas voler, tu pourrais au moins m'écouter.
Je t'ai dit de remonter. C'était le meilleur atterrissage que j'ai jamais fait. C'est ce que tu sais faire de mieux? Alors il est hors de question que je tente le coup encore une fois. Mais tu sais pas voler, tu devrais être content que quelqu'un accepte déjà de t'emmener. Aka, ça veut dire quoi être un bon garçon? Ça, c'est à toi de le découvrir, Nils. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils? Si tu le veux vraiment, je t'apprendrai certaines choses que je connais pendant notre voyage vers le nord. Et pour commencer, réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider le groupe. Laisse-toi dévorer par le renard Smir et tu aideras beaucoup le groupe. J'ai même pas peur de lui. J'ai failli l'avoir l'autre jour. J'étais à deux doigts de l'attraper. Si vous voulez, je peux monter la garde. Oui, je trouve que c'est un bon début. D'accord. Je monte la garde. Vous êtes en sécurité à partir de maintenant. J'aurais besoin de grignoter quelque chose avant. Si tu as faim, va chercher de la nourriture. Où ça, Aka? Rien n'est mûr ici. Sers-toi de tes yeux, de tes oreilles et de ton nez. Sois attentif et tu trouveras quelque chose. Fais-moi confiance. Nils! Nils n'est pas là, Asa. Mais je dois lui parler, où est-il? Alors, est-ce que tu l'as retrouvé? J'ai cherché partout, rien. Est-ce que Nils... Ouais, il est parti, sans laisser de traces. Il s'est enfui. Mais enfin, pourquoi il se serait enfui? Parce qu'il a roulé dans le grillage avec le tracteur et que les oies sont parties à cause de lui. Toutes vos oies? Oui, toutes nos oies. Peut-être que Smir est venu les chercher ou que Nils est parti avec, je n'en sais rien. Ce n'est pas son genre de faire ça. Nils a toujours fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi tu traînes encore avec lui, il n'a que du vent dans la tête. Peut-être qu'il s'est vraiment enfui en fin de compte. Mais je suis sûre qu'il n'a pas volé les oies. Si ça se trouve, l'oie s'était juste enfuie. Tu penses qu'il serait allé la chercher? Dans ce cas, il suffit de suivre les oies pour le retrouver. Bonjour. Y a quelqu'un? Je connais cette odeur. Smir. Aide-moi, s'il te plaît. On ne s'est pas déjà rencontré quelque part, toi et moi? Mon ami. Je suis pas ton ami. Il y a quelque temps, quelqu'un a lancé une pierre sur moi. Oh, il avait une fronde à la main. C'est drôle, parce qu'il te ressemblait un peu et... exactement la même odeur que toi. Il sentait l'humain. J'ai pas peur de toi. Oh, si tu as peur. Je peux sentir la peur sur toi. Mais n'essaie pas de t'enfuir. Ça ne servira à rien. Je suis de toute façon beaucoup plus rapide que toi. Un humain qui nous sert de garde. Comme si on était, je ne sais pas, des oies domestiques. Ça suffit, les oies. Arrêtez de jacasser. Quel goût peut bien avoir l'humain? Je n'en ai encore jamais goûté. On a la peau trop dure pour toi. Tais-toi. Je ne parle jamais avec mon repas. Tu ne sens pas seulement l'humain. Tu sens aussi l'oie. Oh, une oie de 9 ans. Elles ont un goût très raffiné à cet âge-là. Il n'y a pas d'oie ici. Tu mens. Non. Où se trouvent les oies? Parle, je compte jusqu'à 3. 1, 2. Dans la clairière, on pisse en ligne. Alors, tu vois quand tu veux. Ah!
Oups, tu es tombé dans un piège à renard. Il m'était sûrement destiné. Je suis bon prince, je veux bien te laisser ma place. Sors-moi tout de suite de là. Oh, ce serait dommage. Après un repas d'oie sauvage, je serais très heureux de manger un délicieux dessert. Smir! Smir! Aka! Martin! Martin, tu ne devrais pas t'éloigner autant du groupe. Il pourrait t'arriver quelque chose. Ne t'en fais pas, car je renifle l'ennemi à plus de 100 pas. J'ai un nez très développé. Mon papa disait que je valais mieux qu'un chien de garde. Tout le monde m'entend? Nous allons essayer le démarrage en urgence. Très bien. Comment on fait déjà? On fait le plus vite possible. Hein? 1, 2, 3. Martin! Aka! Mais qu'est-ce qui se passe? Dehors? Mais maintenant, qu'est-ce que je fais, oh Dieu du ciel? Attendez-moi! J'arrive! Oh. Aka! Martin! Tu es là, Smir. Tu ne m'as toujours pas expliqué clairement pourquoi je devrais être heureux. Parce qu'en tant qu'expert, je sais comment on peut vivre tranquillement sans travailler. Il faut une certaine qualité pour cela et il se trouve que j'en ai une. Ah, j'ai compris. Tu pars de ton incroyable paresse. Non. De ma courtoisie. Comme tu le vois, j'ai belle allure. Je pense que je suis plutôt doué et intelligent. Et avec ces qualités ajoutées à ma courtoisie, les portes me sont toutes ouvertes. Ah, il y a un château juste derrière. Et ce serait bien si ces portes pouvaient s'ouvrir. Il est temps que je mange quelque chose. Mais oui, tu verras. Tu avais raison, c'est un joli petit château. Très joli et très bien entretenu. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Mais nous ne voulons rien faire du tout. Nous sommes chez vous. Ça va aller, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Veuillez excuser mon ami un peu trop direct, on ne lui a jamais appris les bonnes manières. Si vous aviez un peu de nourriture pour la route, quelque chose à manger, un repas, des restes, ou bien, comment dit-on déjà, c'est rond et puis savoureux, de la viande, voilà. Mais oui. Bien sûr que j'en ai. Et vous ne voulez pas autre chose, peut-être? Oh, c'est gentil de nous poser la question. Tu vois comment on arrive à nos fins quand on est poli? Eh bien, oui, à boire. Pour nous deux. Pour nous deux, s'il vous plaît. Et si vous aviez du gâteau au caramel? Montre-moi ça. Ton nez est encore là. Oh, arrête de toucher pas là. Je m'améliore à chaque atterrissage. Tu as vu comment j'ai fait? Si tu ne t'adresses pas aux gens avec politesse, tu n'as aucune chance. De Nils. L'oie rôtie. Nils? Oh, ma tête. Oh. Mais où je suis? Viens, ma belle. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Je t'ai eu. Regarde notre cadeau tombé du ciel. Mon rôti avec des patates et du chou rouge. Serre-toi de ta tête. Il n'y a pas de chou vert à cette saison, imbécile. Vas-y, tords-lui le cou. Hein? Non, pourquoi moi?
débrouille-toi pour une fois. C'est fou, je dois toujours tout faire moi-même. Tu serais complètement perdu sans moi. Là, ça va aller. Je vais seulement te tordre le cou. Ce n'est pas si grave que ça. Ne touchez pas mon cou, je suis chatouilleux. Non, pas là. Tous ceux qui habitent dans des châteaux sont bêtes et avares. Ces deux traînes savates sont encore là? Qu'est-ce que vous avez dit? Que je suis avare et bête, c'est bien ça? Je n'ai pas parlé, je vous le jure, c'était lui. Je n'ai pas dit ça, qu'est-ce que tu racontes? Tu as parlé avant qu'il arrive. Oui, mais tout à l'heure, pas maintenant. Il a parlé. Je vous préviens, faites attention à ce que vous dites, tous les deux, sinon... Sinon, tu feras quoi, Grota? Ça suffit! Allez-vous-en maintenant! J'aurais dû vous mettre dehors! Allez-vous-en! Et ne remettez plus jamais les pieds ici! Allez, emportez cette sale bestiole! Oh, dépêche-toi! Vite! Viens par ici! Approche-toi! Martin, bon sang! J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Moi, je croyais que tu ne voulais plus jamais voler avec moi. Quoi? Bien sûr que non! Parce que je ne vole pas très bien. Je suis beaucoup trop lent et trop bête. Martin, de la ferme Holgersson, de toutes les oies qui vivent sur la Terre, tu es de loin la meilleure. Ah, t'es sérieux? Partout, mais personne n'a vu Asa. Il manque quelques affaires à elle. Et son sac à dos. Je suis sûr que Nils Holgersson est derrière tout ça. Nils? Pourquoi? Il a disparu lui aussi, et tu sais que notre fille est le béguin pour ce garçon. Tu n'aurais pas dû lui dire qu'elle n'avait plus le droit de le voir. C'est là que je dois atterrir? Ils sont tous là? Faites attention en bas! Attention! Ça commence à devenir bon. Qu'est-ce que tu en dis, Nils? Aka, est-ce que tout le monde est là? Nils, Martin, oui, pourquoi? Il y a vraiment tout le monde? Toutes les oies sont là? Oui, toutes. Ouf. Mais qu'est-ce que tu as, Nils? J'ai rencontré Smir dans la forêt hier et... Et? Rien, ça me fait plaisir de vous revoir tout en vie. Tu as envie de me dire autre chose? Je rêve ou quoi? Tu me parles vraiment ou tu parles encore dans ton sommeil? Non, regarde! Il me semble avoir vu Alfred et Asa en bas. On vole vers eux pour leur dire bonjour? Non! Mais je croyais que tu voulais dire bonjour à Asa. Non, je ne veux pas! Mais pourquoi pas? Parce que j'ai honte, ça te va? Et maintenant, remonte! D'accord, ça va, j'ai compris! De Nils, mais beaucoup plus petite. C'est malin, j'ai perdu une chaussure. Le pauvre a perdu sa chaussure. Ça fait rien, j'en fabriquerai une autre. C'était vraiment Asa. Qu'est-ce qu'elle faisait là? On pourrait lui demander? Non. Pourquoi? Tu l'aimes bien pourtant.
Tu comprends pas? C'est vrai que je ne comprends rien, je ne suis qu'une grosse oie domestique et stupide. C'est bien ça? Je veux pas qu'elle me voie dans cet état. Je suis un nain. Personne ne doit me voir comme ça. T'as compris cette fois? Edward Formula, inspecteur des lutins, vous êtes le lutin de l'affaire Mulgerson? Combien de lutins peuvent bien vivre ici, à votre avis? J'ai entendu dire que vous aviez transformé le jeune Nils Holgersson en gnome. Oui, je... Oui. Mais j'avais des raisons. Vous reconnaissez les faits. Ce qui veut dire que vous avez enfreint la loi du paragraphe 3, alinéa 51 du règlement des services des lutins de maison. Vos pouvoirs vous sont donc retirés par le conseil des lutins. Vous avez quelque chose à dire? Aucun commentaire. Une minute, je reçois justement un message. Ils disent que le jugement est en attente pour le moment. Si vous n'avez pas rendu sa taille normale à ce Nils H, qu'on appelle aussi tout simplement Nils, entre aujourd'hui et la fin de l'été, la sentence sera alors immédiatement appliquée et vous perdrez tous vos pouvoirs magiques de lutin, comme je vous l'ai déjà dit. Bataki, tu veux savoir où en est notre pari? Non, je suis venu pour t'apporter un message de la plus haute importance. Une personne que tu connais bien voudrait te parler. Je suis ici pour te faire une proposition, une très bonne proposition. Je vous laisse tranquille, toi et tes oies. À partir d'aujourd'hui et à tout jamais, vous n'aurez plus rien à craindre de moi. Quel beau geste, très beau geste. Et que veux-tu en échange? Oh, pas grand-chose. Quelque chose de très petit. Je veux Nils Holgersson. Jamais de la vie. Silence maintenant! Smir, je t'ai laissé faire ta proposition, mais je suis au regret de devoir la refuser. Nils fait partie de notre groupe. Ah oui, ça se voit tout de suite. Il a un long cou et un plumage splendide comme vous toutes. Je ne peux pas te le donner. La discussion est terminée. Si Nils Holgersson est vraiment un des vôtres, alors pourquoi il vous a trahi sans aucune vergogne? Comment? C'est lui qui m'a dit où je pouvais vous trouver. C'est bien ça, Nils, n'est-ce pas? Il dit la vérité. Hé, hey, Nils, dis-leur que ce n'est pas vrai. Nils! Nils! C'est la vérité. Je lui ai dit où il pouvait vous trouver. Nils. Je suis vraiment désolé. Smir allait me manger et puis... Je croyais que... Que vous étiez déjà reparti. Il dit n'importe quoi. Livre le traître à Smir, comme ça il nous laissera tranquille pour le restant de nos jours. Oui, oui, oui. Livre-le. Eh bien, je crois que nous sommes tombés d'accord. Vous n'avez plus à craindre pour vos vies, et moi je me charge de Nils Holgersson. Non. Tu connais ma décision. Maintenant, assez parlé. Vous avez exactement 10 secondes pour disparaître de cette clairière, sinon... Un... Deux... Vite! Trois... Quatre... Décollez! Cinq... Vite! Six... Sept... Ce n'est pas la peine de courir. Je t'attraperai quand même. Bouge pas! On se reverra! Tu ne m'échapperas pas, Nils Holgersson! Attention, on va atterrir! Maintenant! Je vais bien! Personne n'est blessé! Ne vous occupez pas de moi! Y a rien à voir! Bien joué, Martin. Oui, je trouve aussi. Mais j'ai quand même mieux atterri hier. Ça, c'est dommage. Je parlais du fait que tu aies sauvé Nils.
Quoi? Ah oui, ça aussi, mais... je veux dire... bien sûr. Une tempête se lève. Nous avons déjà perdu assez de temps. Il faut repartir. Essayez de bien rester groupés. Volez à vue. Restez bien groupés. Oui. Volez à vue. Volez à vue. Volez à vue. Qu'est-ce qu'elles disent? Je ne comprends pas un mot. On doit voler à vue. Essayez de rester groupés. Je ne vois rien dans cette purée de poids. Si jamais on se perd, on se retrouve à Gotland. Dans les rocards. Volez toutes vers Gotland. Les rocards. Hé, Cousy, on se retrouve où exactement? J'ai rien compris. T'inquiète, c'est pas un problème. Sur Odland, on se retrouve sur Odland. Ah, accroche-toi. Bon courage et faites très attention à vous. Je suis pas sûr, Martin. J'ai entendu quelque chose comme un rocard. Non, non. Cousy a dit Odland, j'en suis certain. Mais Odland n'est pas du tout sur le chemin. Et les rocards ne sont pas dans ce coin-là. Mais alors pourquoi Cousy a dit qu'on se retrouverait là? Pour se débarrasser de nous. Fais-moi confiance, Martin. Comment? Je t'ai déjà fait confiance une fois. Martin, il faut que tu me croies. Je voulais pas te trahir. Je n'ai plus de force, Nils. Oh là là, on dirait qu'il a beaucoup plu par ici. Tu as vu toute cette eau? C'est la mer Baltique. Ah? La mer? Regarde! Les rochers là-bas, c'est ça les rocards! Les rocards! Tu en sais des choses, toi! Elles sont là! Je vois nos oies! Oh? Alors, Cousy, surpris de nous voir? C'est vous! Est-ce que je pourrais te parler? Ce ne sera pas long, Cousy. Seul à seul, si possible. Merci pour ces mots gentils, Cousy. Oh, mon joli croupion a souffert. Nils, j'étais très inquiète pour vous deux. Mais je vois que vous avez réussi. Je ne suis pas sûre que toutes les oies se réjouissent. Je peux pas vraiment leur en vouloir. Je ne suis qu'un traître, d'après elles. Vous formez un groupe uni, vous toutes, et moi je suis un humain. Smir t'aurait dévoré si tu ne lui avais pas dit où il pouvait nous trouver. Oui, mais... il est très méchant. Tout le monde aurait réagi comme toi. Merci. Mais fais attention à ne pas me décevoir à nouveau. Il faut qu'on puisse te faire confiance. Bonjour, Donenfein. Bonjour, Martin. J'ai un message pour toi de la part du lutin. Il est prêt à te rendre ta taille initiale. Quoi? C'est vrai? Je peux retrouver ma taille? Mais à deux conditions. Vas-y. La première, c'est que tu dois rentrer à la ferme Holgersson. Ouais, d'accord. Et la deuxième? Tu dois ramener Martin avec toi. Il appartient à la ferme Holgersson. Il viendra sans aucun problème.
Moi aussi, je veux une saucisse. Non. Non? Non. Mais... Non, parce que tu n'as pas participé à l'organisation cette fois. Mais je vais bientôt tomber tellement j'ai faim. Non. Dibo, à ton avis, combien de saucisses on pourrait avoir en échange d'un petit humain en fuite? Montre-moi. Oh, c'est un gnome. Je te l'avais dit. Prends ça. Le petit a du caractère. Oui. Je suis pas un petit. Tiens. Ouf. Il est insolent. On a capturé un gnome. Tu sais ce que ça veut dire, père? Beaucoup de saucisses. Excusez-nous, je suppose que vous êtes le directeur du cirque. Clément, débarrasse-moi de ces deux mendiants. Ce serait dommage, monsieur, parce que nous avons une attraction très intéressante pour vous. Relâchez-moi tout de suite. Laissez-moi partir. Et combien vous voulez pour ce gnome? Disons qu'il vous coûtera une somme de cette taille-là. Environ. Nils! Nils, tu es là? Nils! Regardez, je vois ses empreintes. Est-ce que je peux vous aider? Smir, pas d'angoisse, il ne peut pas passer au-dessus de l'eau. Non, tu ne peux pas nous aider. Oh, quel dommage. J'aime rendre service aux amis. Je pourrais aussi aider votre ami Nils, si vous le vouliez. Tu as vu Nils? Où il est? Il va bien? Il souffrait tellement de sa nouvelle condition de gnome. C'était vraiment la seule solution qui lui restait, à mon avis. Oh non. Non. Alors du coup, je l'ai mangé. Nils. Je vous le dis pour vous éviter de le chercher partout alors que vous ne trouverez rien. Vous pourriez quand même me dire merci. C'est ma faute s'il l'a mangé. Il était mon ami. Mon meilleur ami. Il était presque comme un fils. Maintenant, tu es vraiment tout seul, Nils Holgersson. Voici ta nouvelle maison. Il faut absolument que je parte. Je dois rentrer chez moi. Rends-moi service, n'essaie pas de t'enfuir. Sinon, le directeur va me tenir pour responsable. S'il te plaît, promets-moi de ne pas t'échapper. Je m'appelle Clément. Et toi ? Nils Holgersson. Tu sais, tu es notre principale attraction à partir de maintenant, Nils. Tu remplaceras l'aigle Gorgo qui ne peut plus jouer. Mais pourquoi? Il reste perché sans bouger. Comme à l'époque où nous l'avons attrapé, il restait aussi sans bouger. Au milieu d'un groupe d'oies. C'est drôle. Si ça se trouve, il en a mangé tellement qu'il pouvait plus voler. Non, Gorgo n'a jamais mangé une seule oie de sa vie. Quand je l'ai vu avec elle, j'ai eu l'impression qu'il croyait en être une. C'est étrange, hein? Je voudrais bien rencontrer cet aigle. Tu t'entends bien avec les oies? C'est drôle, moi aussi. J'ai beaucoup d'amis chez les oies. Elles volent vers le nord en ce moment. Martin, Donenfein et Aka. Aka? Aka de Kebnekaise? Ouais, tu la connais? Aka m'a élevé quand mes véritables parents ont disparu. C'est un peu comme si elle était ma mère. Comment va-t-elle? Raconte-moi. Nils, tu aimes bien Gorgo, on dirait. Il avait fière allure quand il est arrivé au cirque. Mais aujourd'hui... Un aigle a besoin de liberté, il ne doit pas être emprisonné. Les humains aussi. Je veux être libre. Je veux revoir ma famille. Moi aussi, je voudrais retourner voir ma famille. Un jour, je m'en irai d'ici. Et tu devrais en faire autant. Clément? Je peux savoir ce que tu fais là. Tu passes du temps avec le gnome et l'aigle, mais le temps, c'est de l'argent. Allez, mets-toi au travail, espèce de bon à rien. Allez, dépêche-toi!
Bonne chance, Nils. Au revoir, Gorgo. Le faire toi-même? Viens avec moi. Je ne peux pas. Il te suffit de déployer tes ailes et de t'envoler. Tu es encore un aigle fier. À une époque, j'étais un aigle fier. Les aigles volent dans le ciel. Mais moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas volé. Eh bien, regarde au-dessus de toi. Le ciel est bien là. Il faut partir tout de suite. S'il te plaît, Gorgo. Qu'est-ce que ce nain fait? Viens maintenant et vole! Tu n'es plus dans ta cage! Ah non, ça ne va pas. Allez, Gorgo! Ça ne marche pas comme ça chez moi. On ne s'enfuit pas le premier jour. Impossible. Tu es un aigle! Tu peux y arriver! Je vais te montrer qui commande. Et maintenant, reste là sagement. Ne bouge pas. Et voilà, je te tiens! Gorgo? Tu peux voler? Non, je n'appelle pas ça voler. Voilà, ça c'est ce que j'appelle voler. Ouais! La porte de la Laponie. Nous ne sommes plus très loin de chez nous. Nous y sommes presque. C'est merveilleux! Nous avons réussi, Martin! J'aurais tellement aimé que Nils voit ça. Est-ce que je peux essayer de te remonter un tout petit peu le moral, Martin, de la ferme Holgersson? Ouais, tu peux toujours essayer. Tu vas devenir... papa! Comment? Attends, tu veux dire que je... On va devenir papa et maman? On va être parents? Eh oui! Non mais c'est formidable, ça c'est une grande nouvelle! Génial! Était dans la voiture, lui aussi. Il va enfin rentrer chez lui. Rentrer. Bonjour, Aka. Oh, Nils, tu es vivant. Évidemment que je suis vivant. J'ai amené quelqu'un avec moi. Il veut absolument te voir. Bonjour, maman. Gorgo. Gorgo. C'est toi, mon garçon. Je suis énervé. Non, je suis angoissé. Je ne vais pas tenir. Est-ce qu'ils vont bientôt éclore? Arrête de courir dans tous les sens. Moi aussi, j'ai hâte. Sois gentil, va me chercher un peu de pissenlit, s'il te plaît. J'y vais tout de suite. Attends, Martin, ce sera pas la peine. Nils? Nils! Nils! Oh. Nils! Oh. Je pensais que tu étais mort et je me disais que c'était ma faute. Enfin, on croyait tous que tu étais mort, mais... Mais tu n'étais pas mort! Tu étais vivant! Tu es vivant! Pourquoi tu es vivant, en fait? Smir a dit qu'il t'avait dévoré. Smir? C'est sûr qu'il en rêve.
Merci beaucoup. Ne t'en va pas. Attends, attends. Je vais te montrer quelque chose. Lève-toi quelques minutes, s'il te plaît, Donenfine. Je te présente mes enfants. Ah, Martin, c'est génial. On dirait leur papa. C'est beau ici. Alfred, regarde. Bonjour, je m'appelle Asa. Sors avec nous. Asa. Nils, tu veux bien les couver un peu à ma place? Je dois manger quelque chose. Dis-moi. La ferme te manque pas quelquefois? Eh bien, on me donnait à manger tous les jours et le soleil se couchait le soir. T'as raison, Martin. Je pense qu'on devrait rentrer à la ferme. Au fait, si un des œufs se fissure, ne serait-ce qu'un petit peu, tu m'appelles tout de suite, d'accord? Bien sûr. Bon, bah, à tout à l'heure. Non, c'est un malentendu. Maman. Maintenant, on se calme. J'ai des plumes à ton avis. Est-ce que tu vois un bec et je me dandine? Maman. Quand? Les oies sont comme ça. On suit le premier qui nous parle quand on sort de l'œuf. Et on reste avec lui. Alors ça veut dire que je suis une maman oie, que je le veuille ou non? On ne choisit pas toujours le moment de devenir mère, ni quel genre de mère on sera. Alors, papa? Oui, maman. On a réussi, tu as vu? On est arrivé. Pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu comprends? Je suis bien ici avec toi et tous les autres, tu le sais bien. Mais ça peut pas durer éternellement. Je ne retournerai pas à la ferme. Mais pourquoi? Parce que je suis libre. Je suis une oie sauvage maintenant. Et puis j'ai une femme et des enfants. Oui, et alors? Mes enfants sont des oies sauvages. Je ne veux pas qu'ils vivent en captivité. Mais je dois rentrer à la maison. Et je dois te ramener avec moi. Sinon, je ne retrouverai pas ma taille d'humain. Je resterai petit toute ma vie. Je suis désolé, Nils. Mais je ne peux pas rentrer à la maison avec toi. Tu sais très bien que ma place est avec ma famille. Je te l'ai déjà dit 100 fois, je ne suis pas ta maman. Pourquoi tu dis ça? Je m'appelle Nils, t'entends? Je m'appelle Nils. D'accord, comme tu veux. Ce n'est pas parce que tu es fâchée après moi qu'il faut t'en prendre à lui. J'ai jamais dit que j'étais fâchée après toi. Je te signale que tu ne me parles plus depuis que je t'ai dit que je ne voulais pas retourner à la ferme. Va voir ta femme si t'as envie de parler. Hé, je comprends que tu sois en colère après moi. Mais je ne veux pas retourner vivre à la ferme avec toi. Je suis une oie sauvage, est-ce que tu comprends? Regarde en bas.
Nils! Tu as enfin le courage de te montrer. T'as vraiment fait tout ce chemin de chez toi pour venir me voir? Oui. J'ignorais que j'allais devoir faire un voyage aussi long pour te revoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es... Pourquoi je suis un nain, un gnome, un lilliputien? C'est comme ça. Et je le resterai, apparemment. Nils, excuse-moi si je t'ai dit que je ne voulais plus te revoir. Tu m'as beaucoup manqué. Tu repars demain, je crois. Oui, comment tu le sais? Alfred me l'a dit. Alfred? Tu comprends ce que dit un chien? Tu peux parler avec lui? C'est l'un des avantages d'être un gnome. Tu dois me raconter tout ce que tu as vécu sur le chemin du retour. Je ne viendrai pas à Asa. Mais pourquoi? Impossible, même si j'en ai envie. Je ne partirai pas sans toi. Tu dois manquer à tes parents. Et alors toi aussi au tien? Il y a une autre raison. Ils ne doivent pas me voir dans cet état. Ça les ferait trop souffrir. Promets-moi de ne pas leur dire que je suis petit. Ne le dis à personne. Tu vois, si je reste ici avec toi, je ne pourrai pas en parler à qui que ce soit. S'il te plaît, Asa, tu dois rentrer. Je peux pas venir avec toi. Je t'aime toujours autant qu'avant, Nils. C'est vrai? Moi aussi. Il faut que j'y aille. Il reste encore quelqu'un dont je dois m'occuper ce soir. Une jeune fille? Non, non. Une oie nouveau-née. Il ne s'endort pas tant que je lui ai pas souhaité bonne nuit. Il a de la chance. On se reverra tous les deux. Je le sais. Voilà, encore un été qui se termine. Pour moi, c'était le plus beau des étés. Il est temps de nous dire au revoir. Nous allons repartir vers le sud après-demain. Tu ne veux vraiment pas que je vous accompagne? Gorgo, mon fils. Ta place est dans les montagnes. Va, et cherche-toi. Nous nous reverrons l'année prochaine. Prends soin de toi, maman. Nils, avant de partir, je voulais te dire que je ne veux plus jamais qu'on se dispute. Si tu veux, on peut te déposer chez toi en Scanie, qu'est-ce que tu en dis? Ça ira, Martin. On peut pas changer certaines choses. Tu veux vivre en liberté avec ta famille, donc... Je resterai petit et j'apprendrai à me débrouiller tout seul en Laponie. Attention! Tout le monde en position de départ! Venez vite, les enfants! Queen, quick, ok? Vite! Oh non, pas lui! Viens, Ok! Vite! Viens! Allez, allez, avance vite! Tu restes ici sans bouger, d'accord? Non! Oui! Lâche-le! Remercier Nils. Non. Un terrible malheur est arrivé. Toutes nos pensées vont vers Martin et Donenfein. Vers Oké et Quick. Et naturellement vers Nils, qui fait partie de notre famille.
Malgré les événements, nous devons penser à la pérennité de notre espèce. Il faut nous envoler vers le sud sans tarder. Sinon l'hiver nous rattrapera et nous mourrons tous. Moi ? Nils Holgersson ? Je jure devant vous que je retrouverai Smir et qu'il nous le paiera. Je vais partir. Quoi, tu dois t'en aller? Où est-ce que tu vas? Chercher Smir. Il est dans les parages. Je sens son odeur. Dans ce cas, je viens avec toi. Non, Martin, tu ne peux pas me laisser. Je n'ai pas le choix. Il a tué un de nos enfants. Mais on a besoin de toi. Qui va nous protéger? Ce sera trop difficile pour les enfants sans toi. Ça sert à rien que tu viennes. Je vois vraiment pas de quelle façon tu pourrais m'aider à capturer Smir. Comment ça, tu doutes de mes capacités? Faut pas rêver, Martin. T'es une oie sympathique, mais... t'as jamais été un bagarreur. Si tu veux mon avis, tu le seras jamais. Mais Nils? Non. Non, j'ai aucune envie de devoir faire attention à une grosse oie domestique alors que je me battrai contre le renard. Une grosse oie domestique? C'est ça que tu penses de moi, après tout ce que j'ai fait pour toi, Nils? Eh oui. C'est comme ça. Parfait, maintenant au moins je suis fixé. Mais n'aie pas peur. La grosse oie domestique ne te gênera plus, mon petit. Plus jamais. Merci, Nils. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Si jamais je ne reviens pas, dis à Martin que mon meilleur ami, c'était lui. Restez où vous êtes! Je croyais que c'était encore cette sale bête de malheur. Mon maître m'a attaché à la niche pour que je surveille les poules au cas où le renard approcherait. Et maintenant, il me punit chaque fois que le renard arrive à voler des oies sous mon nez sans que je m'en aperçoive. Le renard? Tu parles de Smir? Smir? Je le connais pas. C'est lui le renard, celui qui a un long museau rusé. Et un sourire hypocrite. Ah, oui, je le reconnais, j'ai rien pu faire contre lui la dernière fois que je l'ai vu. Chut. Allez, tout doux. Tout doux. Je ne vais pas te faire de mal. Je m'approche de toi. Calme-toi, d'accord? Justement, en parlant de Smir, je peux peut-être faire quelque chose. Mais j'aurai besoin de ton aide. Ce satané renard sait exactement jusqu'où je peux aller avec la chaîne. Il est très rusé. Il ne sortira de sa cachette que lorsqu'il pourra m'attraper en dehors de ce cercle. Après, ce sera à toi de jouer. Je sortirai en courant et j'irai attraper Smir. C'est Smir.
Maintenant, tu vas payer pour tout le mal que tu nous as fait. Ah, tu crois vraiment que ce vieux chien pouilleux va pouvoir t'aider? Je t'aurai déjà capturé le temps qu'il arrive jusqu'à moi. Il pourra me regarder te dévorer comme ça. Ah bon? Tu crois? Tu sais, en temps normal, je n'en fais pas une affaire personnelle quand je mange quelque chose. Mais pour toi, je ferai une exception. Vas-y, attrape-le! Tu avais l'intention de me piéger, on dirait. Je suis coincé! La chaîne s'est coincée! Je vais t'attraper! Après le fils, le père, loi domestique a envie de se faire dévorer. Martha! Maintenant, je vais enfin m'occuper de toi. Je vais t'attraper! Salut, Misha. Ne te mêle pas de ça, c'est une affaire entre Nils et moi. Et toute l'épaule de mon maître que tu as dévoré, c'est une affaire entre toi et moi. Martin? Martin! Réveille-toi! Je lui en ai fait voir, Ornard, tu as vu? Martin! Pas trop mal pour une grosse oie domestique. T'es le meilleur, Martin. Tu es mon héros. Oh, fais attention, doucement. Je crois qu'il m'a mordu là et ici. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller découvrir toutes les odeurs de ce monde. Il me reste plein de belles choses à voir et à apprendre là-dehors. Maudite chaîne. Bonne chance. Merci, Nils. Je me demande ce que le fermier va penser de son nouveau chien. Merci. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir. Eh bien, vous voilà tous les deux, loi domestique et le mini-humain. Vous avez enfin fait quelque chose pour le groupe. Bravo. Ils ont enfin fait quelque chose pour le groupe. C'est ce que je viens de dire. Je suis fière de toi, Nils Holgersson. Félicitations. J'ai entendu dire que tu avais vaincu Smir. Ouais, t'as bien entendu. Maintenant, reste à savoir si tu vas aussi vaincre l'enchantement. C'est bien mon intention. J'espère pour toi que tu arriveras à temps pour le faire. Quand le jour sera aussi long que la nuit, le lutin de maison aura perdu ses pouvoirs magiques. Et ce sera quand exactement? Dimanche prochain. Tu es sûr de ce que tu dis? C'est dimanche aujourd'hui. Le jour aussi long que la nuit. Je crois qu'on y sera à temps. Et ici, c'était ma maison. Entrez. Venez voir. J'ai entendu des jacassements.
Moi aussi, mais je ne sais pas d'où ça vient. On aurait dit... Martin ? Martin est revenu ! Et il a ramené 3 oies avec lui, mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Maman ! Papa ! Ah ! Bon sens qu'il est devenu costaud ! On aura de l'oie rôti au dîner. Désolé de te déranger, mais je crois qu'on a besoin de toi, le lutin de maison. Arrêtez, vous ne pouvez pas me tuer comme ça. La magie s'arrête aujourd'hui. Je suis un ami de Nils. Nils, au secours. Petite veste, petit pantalon, et soudain redevient grand. Arrêtez, laissez Martin. N'aie pas peur, Martin, on ne fera pas de mal à tes amis. Merci, Martin. Ça a marché. Vas-y. Vole. Tu es libre. Je suis content que tu sois revenu. Bon sens que tu es devenu grand, mon fils. Ouais, ça on peut le dire. Merci, Yaka. Tu m'as appris beaucoup de choses. Je ne l'oublierai jamais. Martin, tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Tu as failli sacrifier ta liberté pour moi. Aujourd'hui, je suis devenu grand, mais... Dis bonjour au Sud. Et prenez soin de vous. Je ne viendrai pas avec vous. T'étais-tu dans ton genre? On dirait que l'affaire Holgersson ne restera jamais sans oie.